tourne. Alors, ce qu'il faut retenir de l'ouvrage, est-ce une fiction ou une histoire tirée de la vie d'un proche? Et c'est toute la subtilité de la littérature. C'est une fiction, parce qu'un roman, c'est la fiction. Mais c'est aussi un livre témoignage, parce que comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est l'histoire aussi de l'expérience d'une amie à moi, mère d'une fille drépanocytaire, qui s'est battue pour obtenir l'évacuation de sa fille vers la France, au fin d'une prise en charge continue et adéquate. Et c'est ça l'importance de la littérature. Auteur, acteur de terrain, nous véhiculons des messages pour l'épanouissement individuel et collectif dans le cadre du respect des valeurs de l'humain.